y faire de Mokolo? Une réponse à l'insertion socio-professionnelle des jeunes de l'extrême nord Cameroun. Les jeunes, fer de lance de la nation, représentent 65% de la population camerounaise, dont la majorité est sans emploi. Moi, Koda, j'ai fait partie de ces jeunes désœuvrés. Je rêvais construire une belle maison, manger de la bonne nourriture, être véhiculé. Je suis donc entré à l'IFER de Mokolo en 2012, où j'ai reçu une formation générale et technique professionnelle de qualité. Je me formais comme mes autres camarades chez des maîtres de stage expérimentés et au centre par des formateurs qualifiés. Après 4 ans de formation, j'ai soutenu ma première entreprise, MPE, sur la production du maïs et j'ai obtenu une attestation de fin de formation. Au cours d'une rencontre avec les responsables des établissements de microfinance, j'ai présenté mon projet qui m'a permis d'avoir un financement. Déjà, j'avais un terrain personnel que je pouvais valoriser. L'appui conseil du CDD, Comité diocésain de développement de Maroua Mokolo, m'a orienté dans le démarrage de mes projets. J'ai commencé par la production de 2 hectares de maïs. Après la vente de mon maïs en juillet 2016, j'ai entrepris l'engraissement des moutons. Aujourd'hui, grâce à la formation, j'ai une vie stable. Je suis logé et j'ai trouvé un job. Je confirme ce qu'on m'a dit. On entre à l'Institut de formation à l'entrepreneuriat rural pauvre. On en ressort riche. Et j'encourage les autres jeunes à s'y former.